on parle beaucoup des mandats exclusifs actuellement parce qu'ils sont au sein d'un projet de loi dit loi de protection des consommateurs, loi Lefebvre. Et parmi ces amendements, il y en a certains qui concernent le mandat exclusif et plus particulièrement la suppression du mandat exclusif. La classe politique pense qu'en interdisant le mandat exclusif, eh bien, les prix vont baisser. Or, c'est exactement l'inverse. On s'aperçoit quand on analyse de près le marché des particuliers à particuliers que les prix de vente sont d'abord plutôt supérieurs au prix que vous pouvez pratiquer quand vous rentrez dans une agence immobilière. Et tout simplement, l'erreur que commettent les politiques, c'est de penser que si on supprime la commission d'agence, la fameuse commission d'agence dont parle tout le monde, eh bien, les prix vont baisser. Non. Un prix de vente dans l'immobilier, c'est une valeur vénale. La valeur vénale, c'est la valeur à laquelle un consommateur est prêt à payer pour acquérir un bien immobilier. Quand vous avez un mandat exclusif, vous allez avoir le même prix, qui correspond donc à la valeur vénale du bien, qui va avoir une partie représentée par le prix net vendeur, c'est-à-dire le prix net qui revient dans les poches du vendeur, et puis une partie qui revient à l'agence, c'est les fameux honoraires d'agence. Mais moi, acheteur, moi, consommateur, je préfère, si c'est pour payer le même prix, avoir au moins dans ce prix un service, un conseil inclus dans ce prix. Et c'est tout le sens de la défense de notre métier, qui est de dire un bien immobilier, ça ne s'achète pas comme ça, ça s'achète avec les conseils d'un spécialiste, parce que c'est suffisamment complexe et il faut être assisté pour ce faire. Mais ce sera au même prix.